Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une expression numérique. Donc, nous allons prendre une expression en exemple, ici l'expression A qui est égale à 15 moins entre crochets entre parenthèses 5 plus 4 divisé par 2 plus 7 plus 4 fois 3. Donc nous avons plusieurs opérations dans cette expression et nous avons également des crochets et des parenthèses. Donc nous devons commencer par les parenthèses les plus à l'intérieur. Ici, c'est l'opération 5 plus 4. Donc nous allons reprendre l'expression en remplaçant 5 plus 4, la somme 5 plus 4 par son résultat, 9, en le recopiant exactement à l'endroit où était situé le calcul. Ce qui nous donne 15 moins, et ici on conserve les crochets, 9 qui a remplacé 5 plus 4, les parenthèses ont disparu, et on recopie le reste de l'expression. On regarde à nouveau l'expression que nous avons maintenant. Ici, la priorité, ça va être de faire le calcul entre crochets, 9 divisé par 2. Donc de la même manière, à la place de cette division, nous allons mettre son résultat, qui est 4,5, et nous allons recopier le reste de l'expression en laissant tous les éléments à leur place. Les crochets, une fois l'opération effectuée, ont également disparu. Donc maintenant nous avons une expression sans crochet ni parenthèse. La priorité est de faire la multiplication qui est l'opération prioritaire sur les additions et les soustractions. Donc nous allons faire l'opération 4 x 3 qui est égale à 12 et nous allons, comme tout à l'heure, mettre le produit à la place de l'opération en recopiant les autres éléments sans modifier leur position. Maintenant nous avons une expression, il y a une soustraction et deux additions, donc nous allons effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc nous allons commencer par 15 moins 4,5, ce qui nous fait 10,5. On recopie le résultat à l'endroit où était située l'opération, c'est-à-dire au début. Il nous reste maintenant deux additions. Nous pouvons les effectuer dans l'ordre que nous souhaitons. Ici je vais les effectuer de la gauche vers la droite. Donc nous avons 10,5 plus 7 qui veut faire 17,5. Et pour finir, on ajoute 12 et nous obtenons A égale 29,5. Donc pour résumer comment calculer une expression numérique, à chaque étape, on observe la situation, on regarde quel calcul qui doit être effectué en priorité. Nous l'effectuons en laissant le résultat à l'endroit où était située l'opération. Thank you.